Si le terminal transmettait tout son profil au réseau, ça voudrait dire qu'il serait assez facile de modifier le profil d'un abonné, de lui donner des droits supplémentaires. Donc la première réponse, la première suggestion de réponse est visiblement fausse. On pourrait imaginer que le profil de l'abonné soit transmis à tous les VLR du réseau. Mais c'est pas, c'est quelque chose qui multiplierait les mémoires, qui multiplierait la mémoire consommée par un VLR, puisque quelle que soit la localisation de l'abonné, son profil serait dupliqué dans autant de VLR qu'il y a dans le réseau. Donc c'est aussi une réponse qui est mauvaise. Donc la bonne réponse, c'est que lorsque le terminal se signale au réseau, eh bien, il fait une mise à jour de localisation et cette mise à jour de localisation provoque le transfert par le HLR du profil au VLR où le terminal se trouve.